bienvenue dans cette leçon. où on va voir comment faire un dimensionnement d'un système d'éclairage photovoltaïque autonome en 5 étapes. le système d'éclairage solaire qu'on va étudier dans cette leçon est composé d'un panneau photovoltaïque, un régulateur de charge pour régler la tension et le courant produit par le panneau, et une batterie solaire pour stocker l'énergie produite, et finalement une lampe. Le dimensionnement de ce système est basé sur le mode jour-nuit, de telle sorte qu'en mode jour, le panneau photovoltaïque va charger la batterie. Et en mode nuit, la batterie va alimenter la lampe, où le basculement entre ces deux modes sera assuré par le régulateur de charge. Pour faire le dimensionnement de notre système, on doit suivre les cinq étapes suivantes. Première étape, estimation de l'énergie consommée par les charges, qui sera calculée par l'équation EC égale puissance consommée par la charge fois le nombre d'heures de fonctionnement. On va prendre un exemple du lampe à LED qui consomme 30 watts et la durée de son fonctionnement est 14 heures, qui présente le nombre d'heures de la nuit la plus longue de l'année, qui a été choisie afin de garantir l'éclairage pendant toute l'année. On aura donc une énergie consommée estimée à 420 watt-heure. Deuxième étape est l'estimation de l'énergie produite EP, donnée par l'équation suivante, où on va ajouter un pourcentage de perte de 20% à l'énergie consommée. Ces pertes sont dues généralement aux panneaux photovoltaïques, régulateurs de charge, les câbles, etc. Dans notre exemple, l'énergie produite estimée est 504 Wh. Dans cet intervalle de puissance inférieur à 1000 watts, on doit choisir une tension de système de 12 volts. Troisième étape est de calculer la puissance crête du panneau photovoltaïque. On l'obtient en divisant l'énergie produite estimée sur le nombre NR, qui présente le nombre d'heures équivalent à 1000 watts par mètre carré dans une journée. Dans notre exemple, la valeur de NR est 4,2 heures, qui dépend du site géographique de l'installation. Cette valeur peut être trouvée dans les sites web tels que SolarGIS. Pour bien choisir le panneau photovoltaïque convenable à notre système, ce panneau doit délivrer une puissance maximale supérieure à 120 watts, qui a été calculée et une tension VOC supérieure à 12 volts tension de notre système. D'après ce tableau, le panneau convenable est celui qui produit une puissance maximale de 130 watts. Quatrième étape est le calcul de la capacité des batteries, qui est donné par la formule suivante. Avec EP, l'énergie produite estimée en watt-heure. NGA est le nombre de jours de son autonomie. D est sa décharge. Et V, sa tension. Alors, dans notre système, on va choisir une décharge de batterie de 60%. Donc, on aura une capacité de 210 ampères-heure. Alors, la batterie convenable à notre système est une batterie solaire d'une tension de 12 volts et d'une capacité de 210 ampères-heure. Dernière étape est le choix du régulateur de charge. On doit savoir qu'il existe deux types de régulateurs un régulateur PWM et un régulateur MPPT. Le régulateur PWM est convenable pour les petites installations où la puissance à 12 volts est inférieure à 150 watts et une tension VOC du panneau qui dépasse pas les 50 volts. Et le régulateur MPPT est fortement conseillé pour les grandes installations. Il peut supporter une tension jusqu'à 250 volts. Il a un très bon rendement et plus cher que celui du PWM. Pour choisir le bon régulateur de charge pour notre système, on doit ajouter une marge de sécurité de 10% à la valeur de la puissance maximale du panneau photovoltaïque. On aura donc une puissance de 143 watts. Aussi, on doit calculer le courant du régulateur qui peut supporter. On divise la puissance maximale calculée sur la tension de 14,5. Qui présente la tension de charge d'une batterie de 12 volts. Donc, le meilleur régulateur de charge pour notre système est un régulateur de type PWM qui peut supporter un courant de 10 ampères avec une tension de branchement de 12 volts. En résumé, voici la configuration finale de notre système d'éclairage photovoltaïque autonome. Pour alimenter une lampe LED de 30 watts, on doit avoir un panneau photovoltaïque de 130 watts, un régulateur PWM de 10 ampères et une batterie solaire de 12 volts et une capacité de 210 ampères Lors du dimensionnement de ce système, on a pris en considération une autonomie de trois jours et une décharge de batterie de 60%. Finalement, voici quelques conseils. Si vous désirez faire une installation d'un système pareil, vous devez tout d'abord avoir un minimum de connaissances de base en électricité. Pour les grandes installations, il faut travailler avec les normes, telles que les normes d'éclairage et normes d'installation photovoltaïque. Et finalement, n'oubliez pas de consulter les spécialistes dans le domaine, techniciens, ingénieurs et chercheurs. Voilà, c'était la fin de cette leçon. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la prochaine leçon.